Yo tout le monde les gars, Sazor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Let's Play sur BF1 Battlefield 1. Donc les gars, on est parti pour la mission. Voilà, on est au deuxième point, voilà. Des amis au placé, ça s'appelle. Donc comme vous pouvez voir sur la miniature à droite, ça va se placer. Ça se place, et oui, je parle très bien. Donc je vais aller niquer ma race et je reviens, voilà, 2 secondes. C'est bon, je pars totalement sec. Ce début de vidéo est, comment dire, est bizarre. Donc bref, on est reparti. Comme vous voyez sur la miniature, il y a un avion. Donc ça va se passer dans les cieux. Voilà, comme vous avez pu le deviner. Donc c'est Avant parti mon pour des arrivée en amis Europe, haut placés. On va laisser je en n'avais jamais normal. vu un avion de mes yeux. Tout là-haut, ils tournoyaient comme des vols d'oiseaux qui dansaient. Bon, on s'en Que fout un petit peu de puissent-ils ce qu'il dit, entourer donc on va lancer les l'Atlante? gars. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On est dans les Vosges, les gars. Pas loin de chez moi en plus. Pas loin, pas loin. Ah ouais, les appareils allemands étaient plus efficaces, les gars, que les appareils alliés. Et donc, nous, comme vous avez peut-être le deviné, on va être un pilote. Mais j'ai plus rien à miser là, abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais te plumer de toute façon. Que tu crois? T'as quoi à me montrer? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Bah, tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi ça? T'as perdu, je t'ai battu! Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Hé, hey, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé? Je t'interdis de poser tes sales pattes dessus! Enfoiré de mes deux! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu! Je t'ai fait mordre la poussière! Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis Jean Rackham! Tu sais pas qui t'a fait respecter de connard! T'as pas intérêt à toucher à mon avion, t'as compris? Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que. Je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Bienvenue à bord! Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham! Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. C'est parti! On fait décoller cette beauté! Donc t'es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor? C'est ça! Lui-même, vieille branche! Le Bristol était aussi efficace qu'on le disait. Un vrai plaisir à piloter. Le soleil brillait. Tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord. Les gars, c'est parti, on est aux commandes du Bristol donc. C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? Donc voilà, moi je sais à peu près le conduire déjà. Cet avion devant. Il faut que tu me rattrapes. Aussi un avion, ouais, d'accord. Ouais. Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai. Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi. D'accord. C'est toi le chef. Apparemment. Comme l'avion réagit aux manches. Reste tout près de lui. D'accord. Reste à cette distance. Wow. Wow. C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse de faire ça, wesh. Non. Ah les gars, parfait début de vidéo, je le sens. C'est dégueulasse ce qui vient de m'arriver. C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord. Tu vois cet avion devant? Il faut que tu le rattrapes. Ne vous inquiétez pas les gars, on va faire ça rapidement. Ouais. Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai. Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi. D'accord. C'est toi le chef. Apparemment. En vrai, c'est lui limite qui a fait de la merde, quoi. Il a freiné d'un coup. Et du coup, voilà, moi ça m'a. Voilà comme l'avion réagit au ça m'a pas fait plaisir. Reste tout près de lui. D'accord. Reste à cette distance. Ramponne-toi, Wingnut. Voilà les gars, objectif atteint. La sûreté est mise au cas où t'aurais des idées tordues. Tu commences à me connaître, tant mieux. Faut encore le poursuivre les gars. Comme vous pouvez le voir, ce qu'on va faire, en évitant de s'approcher de trop près. Voilà, c'est vraiment ouais, super maniable. C'est un dangereux thug life là, l'avion allié. C'est Wilson. Fais attention, regarde devant toi. Celui pilotage. Voilà. Même si t'as pas vraiment suivi le manuel. Alors jette ce maudit manuel et vis un peu. Où est-ce qu'il va maintenant? Laisse-le. Tu vois ces ballons cibles? Vérification d'armement, feu à volonté. Ça je peux faire. Ouais, c'est un sacré coucou. Il reste du ballon, approche-toi et tire. Entendu. Voilà les gars, c'est parti. Ah merde, il y avait un ballon que j'ai loupé. Triste. Sur le sol. Ouais, je le vois. Essaie de leur envoyer des roquettes pour te faire une idée du tir sur des cibles au sol. Et ok, il y en a une là-bas. Petite roquette. Voilà. Et la dernière qui se trouve de l'autre côté de la montagne, les gars. On y va. Ah, elle est beau quand même, les gars, le jeu, moi je trouve. Tu peux te poser une question? Bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. Fils du quatrième comte de Windsor, parle-t-il comme un Américain? J'attrape facilement les accents. Je parlerai probablement comme un Français une fois les Allemands battus. Le voir. Tu es quelqu'un de très méfiant, Wilson. On ne te l'a jamais dit? Et voilà, les gars, c'est bon. Première partie terminée. Attends, il y a des boches qui débarquent, les gars. On les envoie dans le décor. Ça ne rigole plus. Bon, c'est pas un problème, on va se les faire rapidement. Les gars, c'était l'allié que j'étais en train de tirer dessus là. Triste. Putain, qu'est-ce que je suis doué. Lui aussi, c'est un thug life. Bon les gars, il est mort lui. Tu tires les comptes, Wilson. Je rapporte. Wow. T'as vu qu'on allait se prendre la même qu'avant les gars. Voici le dernier, il est là. Wow. Putain, je tire tout le temps sur mon allié les gars. C'est triste. C'est bon, il va crever là. Wow, putain, il meurt pas. Il meurt. Il meurt, les gars. Tu l'as eu, ouais. Attention,
Ah ouais, attention aux débris. Lui, elle a pris un coup. C'est bon ça les gars? Il est réparé. Putain, encore d'autres avions les gars. Ça a abusé. Ils sont à gauche. On va tester les gars les roquettes ensemble. Ils sont en haut. Ok. On pue la merde les gars. Enfin je... Wouah mais attends mais c'est des putains de japs là. C'est pas des boches. C'est abusé. Des gros thug life. On subit des dégâts. Tout va bien derrière. Ils sont plus énervés là d'un coup. La boche derrière. Bouge. Joli tir. Il va au tapis. L'un derrière nous. On va réparer un petit coup les gars. Voilà. On va essayer de passer derrière eux les gars. Voilà, un en moins. Ouf, lui aussi c'est un thug life. Wow. On va essayer de niquer à la roquette les gars. Putain par contre c'est assez chiant ce qui se passe. On se tourne autour. On joue au chat la souris. On va attendre qu'il se mette droit. Ok les gars, c'est très compliqué quand même de tuer un avion. Enfin entre guillemets tuer aux roquettes. Attendez. On va faire ça à la mitrailleuse. C'est ce qui marche le mieux après tout. Voilà, parfait les gars. Putain, il a encore un merde. Je n'avais pas vu. Où est-ce qu'il va d'après toi? Par là. Et on se lance à cette trousse. Ah, on se lance assez. D'accord, moi dans ma vue, je l'avais déjà bien amoché. Putain, merde. Bon, on s'en balèque. Genre il s'est pris à être shot le con. C'est abusé. J'ai pris un coup de roue d'avion. Putain, il est un peu mort là l'avion. Accidentellement où les Allemands entreposaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger. J'avoue. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Et on peut le refaire. On va passer un marché. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse. Que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien ce type. Mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine. C'est sûr, un sacré pilote. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers pour qu'ils puissent détruire cette forteresse. Avant tout,
Il faudrait détruire ce bas. S'occuper des camions de DCA. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible, quand ils approcheraient. Une mission difficile, mais une victoire ici changerait le cours de la guerre. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est, en action ! Ça a vraiment l'air dangereux ! Fais-moi confiance ! Ouais, et boucle quand même ta ceinture ! Ah bah, c'est dirigeable ! Il faut ouvrir la voie à nos bombardiers ! C'est facile ! Surveille mes arrières ! C'est bon ça les gars. Voilà. Je les vois. Et ton évitant est à nuire. Voilà, toi tu crèves déjà. Les gars, maintenant il y a des canons d'essai à détruire, ça c'est assez chaud. Ils nous mettent aussi assez mal. On va faire gaffe quand même, on va se réparer d'ailleurs. Voilà les gars, bon travail. Ça c'est bon. Premier objectif terminé les gars. Les bombardiers sont là. Ils sont assez énormes les bombardiers. Éloignez-en les chasseurs allemands. Du D'accord. Il va pas en revenir. Pour donc neutraliser les chasseurs, ils vont tenter de détruire tous les bombardiers. Voilà. On a perdu un bombardier. Merde. Il faut qu'ils atteignent la forteresse, mais cette mission sera un échec. Je sais, je sais. On a été touché. Wow. Pourquoi? Voilà, bouge pas. Voilà, parfait. Où sont-ils ? Putain, mais ils sont au-dessus de moi là, c'est un bordel les gars. Putain, mais ils roulent vite. T'as vu comment ils sont rapides. Ça, ça a pris cher. Ça, ils prennent cher, hein. Il fait des loopings lui, c'est abusé. Formation de bombardiers arrive. Voilà. Empêche ces chasseurs poches d'en approcher. Putain, mais il va où lui? C'est moi les gars, c'est un allié putain. Et c'est ultra chaud, franchement vous vous foutez de ma gueule, mais c'est chaud de différencier les alliés des ennemis.
On a eu. Il va s'écraser. Le long foot qu'il a mangé lui. On va se préparer les gars un petit coup quand même. Voilà, putain, il y a beaucoup de chasseurs par contre les gars. C'est assez violent. C'est quoi en fait, il y a des trucs au sol là à détruire. Je sais pas ce que c'est les logos là au sol. Peut-être qu'il y a des, un objectif secondaire à faire là, je sais pas. Ah ouais. Au calme mon gars, tu répares ça en vol. C'est stylé, c'est stylé. Donc les gars, pendant cette séquence, pendant cette, je sais même pas comment ça s'appelle cette mission, ce récit de guerre, ils appellent ça, pas trop de combat au sol, voilà, pas trop de gros turn à mettre, à avoir un très gros shoot. C'est juste de l'avion, du pilotage, j'imagine. Enfin, si je me rappelle bien. Je dis j'imagine, mais bon, je rappelle que j'ai déjà fait une fois le jeu. Enfin bon, c'est pas pour autant que je me rappelle de tout. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, il était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. D'ailleurs les gars, au moment où je dis y a pas trop de shoot, c'est une scène à pied. Verdammter Hauptmann, gib immer mir die Scheißarbeit. Komm schon. On va le flinguer lui. Allez, ramasse la pelle. Voilà. Il va prendre cher. Voilà. Prends ton petit gueux vert. Passage infiltration les gars, on va essayer de rester discret le plus possible. Dire que j'avais l'habitude de me déplacer discrètement. Les bars et leurs portes derrière, les fenêtres de domicile congelées. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ah, mon petit gun, c'est cool les gars. J'ai tiré profit de mes talents et je suis parti vers l'ouest. Aussi discret qu'un chat de gouttière. Entre les lignes britanniques et moi, il y avait des tranchées allemandes, des canons allemands. Ah, et la moitié de la population de Berlin qui cherchait à nous faire la peau. En plus ils débarquent les gars, les soldats à pied. Bonjour, ils nous ont entendu. C'est abusé. Voilà mon gars. Qui est ici une hachette. Pas mal, pas mal. C'est stylé. Je sais pas à quoi ça sert de plus, mais bon, c'est stylé. Hein. On va garder notre revolver, les gars, parce qu'il a l'air de faire très mal quand même. On a une petite arme silencieuse, hein, comme par hasard, vous me direz. Mon jour de chance. Les Britanniques devaient prendre le thé avec des scones au lieu de pilonner les Allemands. Mais il fallait que je franchisse les lignes avant que ces canons ne se remettent à tonner. Mais ils sont deux merdes. Ah.
Non. Mais non, voilà. Pour l'instant, ça se passe bien, les gars. On va essayer de gérer le coup à fond. Du mieux qu'on peut. Ah, viens là, mon pote. Putain, mais tu vas où? Ah, il a dû voir les cadavres, c'est pour ça. Il est où celui qui parle? Ah, il est là. Te retourne pas, s'il te plaît. Surtout pas. Voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien, les gars. Putain, mais c'est abusé. Ils nous spotent pour rien, quoi, les ennemis. Vraiment un tout petit bruit et ils sont sur nous. Allez, viens. Ma machette t'attend. Putain, y'a un de ces gros rats qui a spawn devant moi. Voilà mon gars. Putain, il y en a encore un autre qui vient. En espérant qu'il n'y a personne qui nous voit là, si on bouge. C'est bon les gars, je crois qu'on va pouvoir avancer. Il y a un mec derrière qui nous a attendu, mais on va tracer notre grand-mère. Oula, il y a un petit light. Petit chargement. Putain, les gars, c'est angoissant. Hein. L'ambiance est là. Rempli de soldats d'élite du Kaiser. En plus, les gars, soldats d'élite. Ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. Voilà, parfait les gars pour l'instant. Ah, il dort lui. Ah, ouais. Attendez les gars, ça me plaît pas là, on entend des soldats. Ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, une genre de clé mort en gros. On va prendre ça quand même à la place du revolver. Ah, c'est stylé les gars, l'effet de bouc là-dessus. Putain, il y en a un juste au-dessus. C'est quoi ce qu'il y a ici? Une masse de tranchées, parfait. Là on est dans le mal, il y a beaucoup de soldats. Est-ce qu'il va monter?
Ah, il faisait quoi lui? Genre il était vraiment allongé là. Putain, j'ai eu de la chance les gars de le buter. Ça nous intéresse pas les gars. Putain, ils sont deux les gars. Putain mais genre il va faire tout le tour de la map lui. Allez viens là mon gars. Voilà mon pote. T'inquiète même pas. Allez les gars on avance, hein, tout doucement on avance. Oh mon, on a déjà ouvert cette caisse. Allez, viens là, mon pote. Putain, ça va être long, les gars, le temps qu'ils viennent. Ah, putain, c'est des obus qu'il y a là. Chaud, 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 les gars. Allez, viens là, mon pote. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un petit truc là à prendre. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Voilà mon pote. Putain, par contre, il y a l'autre qui a entendu. Matraque à pointe, pas mal. Ça va être compliqué les gars, on va taper un gros rush dès qu'il dépasse. Wow, t'as, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un 3-6. Voilà les gars, parfait. Voilà mon pote. Eh, ça faisait franchement quand ils sont cons les bots dans le jeu. Voilà mon gars. Qu'est-ce qu'il y a ici? Grenade à manche, on prend les gars, on prend. Ici qu'est-ce qu'il y a? D'accord, c'était aussi une genre de claymore. Putain. Les gars, lui il a failli nous voir. T'as abusé. Wow. C'était quoi ce bruit là? Les gars, ça je crois que c'est un lance-flamme. Du coup on est baisé si on veut le niquer au corps à corps. Ouh les gars. Lui nous pourchasse hein les gars derrière nous. Les gars on arrive dans le No Man's Land, ça va être compliqué. La
dizaines de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitaient à me faire tout. Le No Man's Land était un labyrinthe de barbelés, de cadavres et de bombes. Mais j'ai tenu le cap plus que vous. Est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans l'épave ? Suspense, les gars. Wilson, on est au milieu de nulle part, faut qu'on s'en aille. Tout de suite. Je peux plus bouger. Saleté. Je suis désolé. T'as promis de me ramener en un seul morceau. Chut, parle moins fort. Et nos médailles, hein ? T'as dit qu'on deviendrait des héros. Je suis pas un héros. Qui m'a donné ta parole ? Je le jure. Alors, soit c'est vrai. Un homme de parole et tu vas m'aider. Soit t'es un connard de seul menteur qui va me regarder crever sans rien faire. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est l'heure de jouer carte sur table, Blackburn. George Rackham, pas vrai? Le fils du comte de Windsor, mon œil! Tu croyais que j'étais con à ce point-là? Putain, il allait faire quoi? Il allait lâcher ou quoi? C'est abusé. Allez, on se tire d'ici. Putain, faudra qu'on le porte jusqu'aux lignes alliées, j'imagine. Oh, la crise, les gars, c'est la crise. Il perdait beaucoup de sang. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour le ramener en vie. Dieu est tout puissant. Les gars, moi je vous dis, on va y arriver. On va le faire. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner. Dis-moi. C'est un rêve de poche. Oh oui. Oh là là. On va passer par où là, les gars? Les gars, je sens que ça va être vraiment la crise hein, pour passer. Allez, on passe. Carcasse de char qui va nous aider. Bon, il y a de la lumière, les gars. On doit éviter les projecteurs, hein, je rappelle. Allez, on passe. Allez, on passe, les gars, c'est parti. On trace. On va essayer aussi d'esquiver les obus, c'est plus difficile. Ah, allez, on y va. Vite, 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 vite. C'est bon ça, les gars. C'est bon. Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené, c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Est un vrai héros. Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn.
Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur ! Wilson, moi ! Je veux aider ! Rackham, je peux le faire ! T'as rien à foutre dans les airs ! Wilson ! Si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi ! On part tous les deux ! Putain, le gars, il a défoncé les menottes avec une balle. Abusé. T'es sûr que tu veux pas passer ton tour ? Pas de question ! Ouais, putain de médaille ! Bon, je suis prêt ! Et les gars, on va se laisser là-dessus. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, voilà. Malheureusement, voilà, on va faire les récits de guerre en plusieurs missions parce que en plusieurs vidéos, parce que sinon voilà, ça fait trop long. Déjà voilà, 45 minutes de vidéo, ça doit faire pour moi c'est peut-être 10 heures du plus. Très franchement les gars, c'est extrêmement long. En plus, il faut que je fasse vite un montage sur le Char Factory. Voilà, je m'en excuse. Donc les gars, voilà, je vous retrouve prochainement pour le prochain épisode. N'hésitez pas à la J'arrête pas de bugger, wesh. Et les gars, franchement, je suis fatigué. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et voilà, moi, je vous retrouve donc peut-être demain, je pense, pour le prochain épisode. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. C'était Azor, bye. Ah, putain, les bugs, les gars, les bugs. Ciao, les gars.